Eh bien, bonjour à tous, c'est Caudron, nouvel épisode de notre série sur Europa Universalis 4 avec les Pays-Bas. Et donc, on va continuer. On était passé 10e puissance mondiale, on avait gagné la guerre contre le Royaume-Uni. Contre le Royaume-Uni, contre l'Angleterre et qui le voit. Donc, on a une lassitude de guerre élevée. Voilà, bon, bah en gros, là, il va tout simplement falloir attendre un petit peu que ça passe. Il va simplement falloir attendre que ça passe. On a pas mal de révoltes, évidemment, avec la lassitude de guerre, les pertes en effectifs, etc., etc. Donc, on a aussi beaucoup de mercenaires, mais l'état de nos finances, alors on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Moins 13, d'accord, on est à moins 13, c'est assez dégueulasse. Alors, je vais diviser l'armée de mercenaires en deux. Déjà, pour gagner un petit peu d'argent. Du côté anglais. Oh ouais, c'est vrai qu'on a que l'infanterie et tout qui est comme ça. Il va falloir que je mette mes galions au repos. On va désarmer. Voilà, on commence à faire des petites économies. De toute façon, on a plein de la... on a eu de la marge, hein, donc autant en profiter. Alors, je regarde un petit peu, hein. Voilà, puis il y a aussi beaucoup de sunnisme, là. Côté effectif, c'est pas trop ça. Alors, du coup, la France est en train de perdre, hein. Non, c'est assez délicat. C'est très, très délicat, même. On a un bout de France qui est là-bas. À Tcherdigov. Ok. Hambourg nous a insultés. Ok, donc on contrôle quand même 55% hein, du commerce. . 1702, la fin de la trêve. L'impôt, l'impôt, on mise tout sur l'impôt. Incorruptible. Tous ceux qui aident nos ennemis ne savent pas la réelle nature de leurs transgressions. Ah, bien, bien. D'ailleurs, mes réseaux d'espionnage. Ah, je crois qu'ils se sont fait éjecter. Population néerlandaise, 20 000. 29 000, pardon. En Angleterre, c'est bon, hein. Je pense qu'on va pouvoir déblayer nos hommes. Amener ça sur le territoire. Tradition méridionale de l'orgue. Les traditions de l'orgue étaient représentées en Allemagne méridionale par une école de compositeurs, dont les œuvres s'inspirent largement de traditions italiennes plus anciennes, enseignées par les maîtres italiens. Non, non, faut pas déconner. Attends, t'as vu le prix que ça coûte un orgue? 448 ducats, ça va, ouais. N'importe quoi. On va arrêter de taxer un peu. Nouvelle province légitime. Ah, c'est pour ça aussi que ça gueule un peu. Oui, c'est une province légitime. Ah, ça devrait commencer à arriver. Ah bah on dirait bien que la France... ouais, mais l'Ottoman, vous avez vu ce blob, quoi. Mais en fait, il a carrément un monde à lui, ici. Il a un monde où il n'y a que lui. Il y a juste les hospitaliers qui sont là, alliés à Venise, au plein milieu. Génial. Ah, il faut combien d'hommes encore? 655, nouvelle province légitime.
Risque de soulèvement, séparatiste mono machin. Fanatique sunnite, ouais, je sais. Alors les militaires par contre là on va adopter la technologie, c'est quand même important. Mais c'est bien parce qu'au moins avec l'Afrique ça nous fait des provinces en plus, ce qui permet du coup de faire contrepoids à nos colonies et de montrer quand même qu'on est assez balèze quoi. Voilà, la lassitude de guerre ça diminue tranquillement. On est passé à 58%, ça va le faire. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et l'Angleterre, on la creuse. Hein. On la creuse plutôt bien, même. Cologne contre l'Autriche. Ah, l'Autriche est rentrée en guerre. Attaque Nassau. Guerre nationaliste autrichienne. Ah ouais. Bah, je crois que l'Autriche va gagner. Hein. Portugal, Discord. Génial. C'est un peu n'importe quoi. Hop. Voilà. J'ai aussi un conseiller qui coûte une blinde, je crois, c'est pour ça. Ouais, j'ai celui-là aussi qui me coûte. C'est pour ça qu'on n'a pas énormément d'argent. En plus du fait que j'ai une tonne de mercenaires. Des provinces à légitimer, etc. etc. Pêche, déjà. Bohème a accepté l'offre de paix de son ennemi Autriche selon les termes suivants. Déjà ? Ah ouais, non mais l'enfrais de l'empereur est vraiment en train de se faire soumettre là. Bon, de voir pour les régions si je veux arrondir les frontières. Ah oui, Allemagne du Nord, ouais. Je pourrais taper dans Liège. Hein. Ah bah j'ai des revendications ici d'ailleurs. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Ulm, Palatina viendrait et tout. Ouais bah tiens, on verra ça pour plus tard. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans le Serge. On est passé 9ème puissance mondiale. Mais là de toute façon, on est dans un moment où faut mieux rien faire. Hein. Faut attendre que ça se tasse. Guerre de succession S. Non! Mais non! Mais non! Mais non! Nanana, le Brandebourg! Mais pourquoi le Brandebourg? Mais je veux pas! Mais guerre de succession de quoi? Pff, ok, ok, bon bah. Oh non, mais la guerre. Oh non, c'est pas. On a pas fini là. Bon. Alors, on a 30 000 hommes. On va se faire défoncer. Oh oui, putain, on va se faire défoncer. On va se faire défoncer. On va essayer de rusher un peu là-bas, sur la S. Je vais appeler l'Irlande. Colonie autosuffisante, ok. Hop, alors je vais juste améliorer mon modèle, peut-être. Juste avec une canon sur pivot mortier, non, c'est bon. Hop, donc on est passé modèle supérieur. Donc là, on a un modèle équivalent à la S. D'accord, on peut prendre une décision. Da-da-da-da-da. On va améliorer le pouvoir des missionnaires. Non. Non, on va rester neutre. On va rester neutre sur les questions un peu de religion. Enfin, neutre. Pas trop neutre non plus, mais... pas non plus trop oppressif. Par contre, là, Ah, ça va me poser problème, ça. Ça va beaucoup me poser problème. On peut avoir, par contre, beaucoup d'hommes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais développer le modèle Piétaille 2. On va faire ça là. Vous allez voir. On va spammer comme des malpropres. L'argent, le nerf de la guerre. Là, ça va prendre tout son sens. Hein. Ah non, c'est l'Autriche qui se base chez moi, tranquille. Voilà. Petite guerre. Alors du coup, on est en guerre contre qui? Brandebourg, Danemark, Bavière. Tout ça qui rejoint. Mais attendez, je suis tout seul, moi.
Je suis tout seul, les gens, je suis tout seul. Ah non, mais je suis vraiment tout seul. J'ai personne. Bon, bah, vous inquiétez pas, on va se battre. Hein. On va se battre quand même. Nouvelle politique légitime. Allez, ça c'est fait. Hop, Zimbabwe, machin, machin. Je lance les impôts de guerre. Ah bah on est déjà en impôts de guerre. Au pire on va faire des empreintes, de toute façon on est riche. 10 de prestige, on va perdre de... Non, pas d'agitation, on va perdre du prestige. Voilà, regarde le Brandebourg. Alors heureusement je crois que le Brandebourg sort d'une petite guerre, donc a priori... Il est pas folichon folichon non plus, le coco. Ça c'est les galions. Ok, bon. Alors, on va se placer ici à la frontière. Normalement il y a les Danois qui devraient arriver. Qui est-ce qu'on doit marteler? La Bavière, le Danemark, la Hesse, le Brandebourg. Allez, il y a notre répute qui va se jouer, là. Il y a notre répute qui va se jouer. On est quand même plus nombreux, donc je vais envoyer ces 28 000 hommes. Alors, on va rester sur la Hesse. On est en position favorable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais foncer sur les forts. Alors ça, c'est du fort niveau quoi? Niveau 4, ça passe. Niveau 4. Non, faut faire le tour. On va attaquer ici directement. On va rester ici, en stationnaire. La Bavière, c'est quoi? Ah, la Bavière, c'est ça. Donc au fait, on s'en moque un peu. D'accord. Et le Danemark, c'est le plus inquiétant. Mais le Danemark, a priori, n'a pas vraiment l'accès militaire. Je crois que les princes allemands du Nord ne l'aiment pas. On va voir un peu les flottes nationales. 45, 11, 22. Ouais, c'est bon, le bas, c'est à plat de couture. On a beaucoup d'argent, donc si on pouvait la gagner dans ce laps de temps, sans trop dépenser, ce serait parfait. En évitant le maximum de guerre aussi, parce que sinon ça va pas le faire. Là, on a du séparatisme mono machin et sunnite. D'accord. Alors attendez, on va aller jeter un petit coup d'œil en Afrique. Ah oui, donc ça risque de se révolter un peu partout. 21 000, 37 000, par contre, ça fait un peu mal. Hein. Il faudrait que je pense à changer la culture. Au pire, ouais, on changera le général en temps voulu. Je vais laisser là en Europe, c'est plus important. On va prier pour que ça éclate pas trop vite. Mais là, je sais que vu que j'ai dit ça à la fin du mois, ça va éclater. Succès de la conversion, c'est fait. On convertit les sunnites. On convertit les sunnites. Allez. Nous sommes les plus grands, les plus forts, les plus beaux. Nous sommes les Néerlandais. Nous avons vu... Nous avons franchi plus d'un obstacle au cours de notre histoire. D'ailleurs, on a eu combien de morts? Attendez. Où est-ce qu'on voit ça déjà? Ah, avec cette musique épique, tu sais, le... tu sais, tout se joue là, tu vois, c'est la guerre de succession de la S. Les pertes terrestres, voilà, fais voir un peu. L'Ottoman a perdu 4,98 millions d'hommes. Eh, on est pas mal, on doit être dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On n'est pas dans le top 10. On a perdu 864 013 néerlandais. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Plus que... Ah oh ouais, plus que l'empereur de Bohème, plus que les Timourides. Ouais, j'ai un peu bourriné quand même dans cette campagne, on va pas se le cacher. Comme d'hab, hein, comme d'hab. Un de mes traits de facture, moi, c'est le bourrinage. Hein. S'il n'y a pas de bourrinage, il n'y a pas de caudron. Et quand on bourrine, ça passe. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, est-ce que je peux demander un... Ah, je vais convoquer la petite assemblée, voilà. Hop. Et pourquoi il attaque pas? A priori, s'il attaque pas, c'est qu'on est, on a l'avantage, hein, donc tant mieux. Et le Danois, je suis assez étonné. Ah non, pourtant le Danois a un passage, mais il attaque pas. C'est pas grave, hein, écoutez. Le temps joue en notre faveur. Et si on a une union personnelle avec la S, mais là, je rigole. Parce que ça va être un gros doigt à la Bohème et à tous les princes allemands, quoi. Là, par contre, je vais pas rigoler longtemps.
va là-bas. Frégate. Trente-huit, trente-neuf, quarante, quarante et un, trente-quatre, quarante-cinq. Vous avez détruit ma flotte. Vous avez détruit ma flotte. C'est impardonnable. Je m'attendais pas à une attaque du Danois comme ça. Ah, ça y est. Changer le commandant, hop, et on va le surveiller un petit peu. Est-ce qu'il faut pas qu'il attaque, hein? Là c'est synchronisation, là je suis très sérieux. Zimbabwe, ça c'est fait, 3000 morts, 5000 morts, hop, flotte des Indes qui arrive. Là apparemment le Brandebourg s'est barré, pourquoi? Dieu seul le sait. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Le fort ici est tombé, on va marcher, détruire l'armée bavaroise. Oh merde! Oh non! Oh les salauds! Les salauds, les salauds, les salauds! Non, 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 non. Ah non. Ah non, mais ça c'était pas... Putain. Quelle bande d'enflure. Mais ça vient d'où les 20 000 là? Ah oui, voilà. Ça va, tranquille. Hein. Bon, ça va. Le fort va être long à prendre. Par contre, il y a des hommes. Hein. Révolte ici aussi. Allez, faut qu'on éclate tout ça. Hein. On changera le modèle de canon plus tard. J'aurai un modèle de canon plus tard. Faut qu'on protège le commerce avec nos navires, nos galions en même temps. Un Chebec. Un Chebec. J'ai pas besoin de Chebec, moi, c'est quoi ça? Mais non. Non, mais non. J'ai dû merder. J'ai dû merder. Pourtant, ça c'est du galion de guerre. Non, j'ai bien 25 galions de guerre. D'ailleurs, j'ai 25 galions de guerre. Ouais. Allez, on va réduire à néant cette armée. Victoire contre les rebelles en Afrique. Normalement, voilà, ils sont obligés de faire le tour. Regardez, ils doivent faire le tour, ces salauds. Voilà, tiens! En un coup, l'armée de la S. Ça, c'est fait. On a 49 000 hommes. On va diviser ça en deux. On va se répartir sur les provinces. Les rebelles sont parvenus à leur fin. On a 21% dans la guerre de succession. Faut qu'on la gagne, celle-là. On la gagnera tout seul. Et nous montrerons au monde ce qu'il advient quand on attaque les Pays-Bas. Tech militaire 24, mais c'est un malade! Il est fou ce mec!
Ok, ça c'est bon. Allez, on repart faire la petite course. Il me faudrait peut-être par contre un peu plus de navires. Oui, je crois que c'est là que j'ai merdé en fait, dans mes frégates. Attendez. Alors, 38, 38 plus 1, 39, mais c'est des chébecs que je fais là. Là, c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce que ça fout ça? Qu'est-ce que ça fout là ça? J'ai pas besoin. Ça, c'est une frégate. Voilà. Bon, on va refaire ça propre. Donc, frégate. 38, 39, 40, 40, 40. Voilà, 40. Course. Voilà. Et là, on va envoyer ça, protéger le commerce dans la Manche. Voilà. Par contre, j'aimerais bien qu'en Afrique. Voilà. Alors, on va attaquer ça. Je m'en fous, même si on n'a pas l'avantage, c'est pas grave, au moins on leur fera des morts. Fanatiques sunnites. Oh, l'argent qui tombe à pic. Alors, par contre, les fanatiques sunnites. Combien de milliers? 14 000. Ça va le faire. Ça va le faire. On se battra jusqu'à la mort! Et là, je me demande franchement si j'ai pas moyen d'attaquer. Attendez, on va lancer l'assaut ici. On va lancer l'assaut. Hop. Pourquoi on peut pas y aller? Mais c'est ma forteresse. Mais c'est ma forte. Mais c'est pas vrai, mais attends, elle est devant mon nez là. Bon, c'est pas, on va aller sur Leipzig. Perte de 10 d'influence des nobles. Non, mais c'est quoi ce truc bidon là? Saint-Empire, la Bohème. Oh, cette musique de tragédie, de guerre. Nous sommes à l'aube du 18e siècle. Pas demander un truc au noble. Exiger un soutien militaire. Perte de 20 en loyauté. Je peux faire ça le 13 juillet 1714. Ah, c'est pas beaucoup. Non, non. Trop risqué. Ça ne mènerait à rien en plus. Vous savez quoi? Une fois que je prends ce fort, on va aller sur la Bavière. Ça, on va continuer la chasse un peu aux rebelles. Un soulèvement indigène, personnalité de Willem VI. Désinvolte, détection des espions étrangers, moins 20%. Aïe. Tip top ça. Alors là, par contre, attendez, on va faire le siège. Incorruptible, moins 25 à la tête de son réseau d'espionnage aux Pays-Bas. Caraïbes, d'accord. Allez, ouais, tu te lances sur ce fort-là. Courageux, toi. Hélas, c'est le moins bien protégé de tous. Bon, les colonies sont attaquées, mais j'en ai vraiment, mais c'est... C'est même pas important. En fait, le problème, c'est que j'ai pas de navire à disposition, en fait. Donc, il faudrait mettre un conquistador ou je sais pas quoi. Mais on verra ça plus tard. Là, on a un truc important à faire, quand même.
Il reste combien de navires à construire? Quelques-uns encore, une centaine de jours. Allez, prenez la forteresse, brave soldat. Après, il faut qu'on aille affronter le Brandebourg. Qui va prendre la ville à tous les coups avant moi. Putain, c'est pas vrai, ils vont le faire. Ah, ils vont la prendre avant moi. Non, mais c'est abusé, c'est vraiment abusé, quoi. Voilà. À tous les coups, elle va tomber dans le mois qui suit. Putain! C'est pas vrai. Ok, bah voilà. Oh oui, allez! Masse humaine, vague humaine! Allez! Allez, 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 allez! Pouf! Ouf, eh bah la vache. Ouf, on l'a senti passer celle-là. Bon, allez, on refait le siège, hein. La vague humaine. Ah, ça marche la vague humaine en fait. Ça marche, ça marche. D'ailleurs, en Afrique, ça marche comment là-bas? Ça pourrait être pire. Hein. Franchement, ça pourrait être pire. Le problème qui m'inquiète, c'est que voilà, on a toute la populace qui arrive. On a eu la mort du théologien qui mettait moins de agitation. Voilà, parfait, on va le remettre. On va en remettre comme ça. Diminuer la lassitude de guerre. Je vais juste prendre, hop, piquer quelques unités de mercenaires ici. Vous inquiétez pas, les emprunts, c'est vraiment pas le truc le plus important. Hein. Ah, il y a un fort ici. Non, il n'y a pas de fort. Expansion coloniale. Non, fin du siège colonial autosuffisante. Bah, voyez, ça marche quand même, hein, même si on met pas de mecs dessus. Ça passe, hein, franchement. Ouais. Vas-y, on va le mettre là. Il a verrouillé, on va y va, on y va. Attendez, non. Non. Non, non. Course, hop, est-ce qu'on y arrivera avant? Ce serait excellent. Le 12 mars. Le 14 mars, on va arriver avant. Parfait. Parfait, parfait. Nickel. Voilà, tiens, empale-moi ça, là. Je vais mettre ta tête sur une pique, là. On va la mettre au bord du fleuve, ça sera joli. On fera une petite tête réduite. Ok, le fort a été repris. On va mettre le nouveau commandant. Il reste plus que les sunnites à se révolter. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça fait 28 minutes que cet épisode est dur. C'est n'importe quoi. Ça va le faire. Il y a du drama là. Là, c'est beau là. Voilà. Réputation entachée. Magnifique. Génial. Hop, on change le commandant. On va lancer notre armée en direction de Leipzig. Où nous allons affronter les armées du Brandebourg. Et nous allons être impitoyables dans notre victoire, si tant est qu'on gagne la guerre, mais pour le moment ça a l'air de bien se passer. Sur ce, brave Jean, on va se quitter ici pour cet épisode, fort en drama et en charisme, et on se retrouve très prochainement pour la suite des événements. Merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine, et salut à tous.